Salut tout le monde, c'est Noir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc spéciale Miss France 2016. Nous sommes lundi 23 novembre 2015 et donc elles sont arrivées hier soir à l'aéroport. Ensuite elles sont allées dans un grand hôtel de la côte ouest pour se reposer. Mais à mon avis, entre nous, elles sont, je pense, toujours dans le jet lag, comme on dit. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, nous sommes à la présidence où les 31 candidates ainsi que le comité Miss France donc feront une conférence de presse et dans la foulée donc un défilé pour le public polynésien. Et bah écoutez, je pense que ça risque d'être super. Allez, je vous emmène tout de suite, c'est parti. Bonjour, bienvenue d'organiser la préparation des Miss France à Tahiti. C'est un projet qui n'est pas d'hier. Nous en avons parlé longuement avec Michel Monvoisin, avec le comité Tahiti, dont je salue la présence de Léna Pogera qui est là aujourd'hui. C'est vrai que depuis plusieurs années, Tahiti s'illustre dans le concours de Miss France. Vous avez eu de nombreuses Miss France, de nombreuses dauphines. Il y a quelque chose qui se passe ici en Polynésie. Il y a un secret de la baïnée qu'on va essayer de percer pendant notre séjour. Donc merci à Tahiti Nui, merci au Hilton, merci au Méridien et merci évidemment à Tahiti Tourisme qui nous accueille ici pendant ces jours et surtout qui va nous guider pendant ces jours, parce que le but de cette préparation, effectivement, c'est d'aller à la rencontre des Tahitiens, des Polynésiens. C'est pour ça que nous organisons cette journée, ce défilé tout à l'heure, pour que les Tahitiens puissent approcher vos Miss de plus près. Direction l'Auvergne avec Pauline Bazauge. Elle représente la Bourgogne, Jacques Belon. Direction la Bretagne avec Léa Wiesel. Je représente la région Centre-Val de Loire avec Margot Bourdin. Elle est suivie d'Océane Pagenaud, Michel Bagardet. Une autre île de France, la Corse, avec Jessica Garcia. Côte d'Azur, avec Léana Ferrero. Miss Franche-Comté, Alizée Vanier. La Guadeloupe, avec Johanna Delphin. Miss Guyane, Estelle Merlin. Miss Île-de-France, Fanny Arcot. Cap au Sud, Languedoc, avec Léna. Miss Limousin, Emma Gourou. Miss Lorraine, Jessica Moll. Cap sur la Martinique, avec Morgane Edwige. Suivi de Miss Mayotte, Ramatou, Rachabou. Miss Midi-Pyrénées, Émilie Ségouffrin. Et suivi par la région qui accueillera la finale du concours Miss France, le Nord-Pas-de-Calais, Iris. L'île voisine, la Nouvelle-Calédonie. Retour en Pays de Loire avec Angelina Laurent. Miss Picardie, Émilie de la Place. Elle est suivie de Miss Poitou-Charentes, Manon Rougier. Un petit tour dans le sud, en Provence, avec Julia Courtès. Enfin, un autre dôme que nous aimons aussi beaucoup, la Réunion, avec Azulie Maïssa. Elle est suivie de Miss Rhône-Alpes, Nora Bendrine.
et le département de Saint-Pierre-et-Miquelon, Julie Briand. Miss Haïti, Vanity TV 2.